l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lily Crochette. En fait, elle s'appelle, elle a un peu une double vie. C'est-à-dire, d'un côté, c'est Elisabeth, la fille d'un gouverneur qui est sur une île. Et d'un autre côté, c'est Lily Crochette. C'est-à-dire, elle devient une petite fille pirate et qui se permet tout. C'est vrai que c'est un personnage très très fort. Enfin, Joris Chamblin, le scénariste, a créé un personnage très amusant parce qu'elle ne veut pas qu'on lui dise non. Ça, c'est vraiment très particulier. La rencontre s'est faite en fait grâce à l'éditeur. Olivier voulait faire une série sur les pirates et il est tombé amoureux du format de la BD Trappeur de Rien aux éditions de La Gouttière. En même temps que moi, en fait. Moi aussi, je suis tombé sur ce format-là et j'ai trouvé ça super chouette. Alors déjà, personnellement, ça fait plus longtemps que je voulais faire quelque chose autour des pirates parce que c'est un univers qui me fascine. Après, là, c'est vraiment de la piraterie, on va dire, toon. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très comique et puis très jeunesse. Mais ça permet beaucoup de voyages, beaucoup d'explorations. Et puis, il y a toujours un côté un peu de rêve aussi avec les pirates.